ma grande. Tu la sens, cette bonne odeur? C'est celle des grasses matinées, des brunchs et du farniente. Ouais, je ressens plutôt l'infâme odeur du blues, de la solitude et de la boule au ventre. Ben, c'est gay. C'est quoi, cette déprime? Ben, je vais pas voir Tristan pendant 2 mois. Ça me réjouit pas vraiment, tu vois. Et voilà, c'est reparti. Ça devient grave, ton truc, là. Le pire, c'est que tu ne sais même pas si Tristan éprouve quoi que ce soit pour toi. Eh, tiens, salut, Tristan. Salut, on se voit plus tard, je dois filer, j'ai un cours de guitare. À plus. Bon, t'as raison, je crois que c'est clair, il m'ignore complètement. N'importe quoi, si ça se trouve, il est juste à 2 doigts de craquer pour toi. Tu n'as pas remarqué des signes précurseurs de l'amour? Des quoi? Ben, des attitudes, des gestes qui laisseraient penser qu'il t'aime bien. Ah, comme s'il m'embrassait, par exemple? Non, moins clair que ça. Alors, comme s'il me filait son dessert à la cantine? Non, plus clair. Comme quoi, alors? Comme, ben... À vrai dire, je ne suis pas experte. Tu n'as qu'à interroger des gens qui ont eu des histoires d'amour. 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Le fessier maintenant, redressez-vous, extension, flexion, et on se fait une petite série de 30. Et 1 et 2 et 3 et 4. J'ai failli attendre. Salut maman. Alors, c'est pas une super idée cette webcam, hein? Faut voir à l'usage. Évidemment, ça n'a pas le charme de tes visites surprises. Maman! C'est le bazar ici, comme d'habitude. Oh, oh! Qu'est-ce que tu disais? Rien que grâce à ce système, plus besoin de prendre le train. Un clic et tu es chez nous. Parlons-en de chez toi. Je suis sûre que c'est le bazar, comme d'habitude. Et je constate que tu traînes encore en pyjama. Mais... Tu vas me faire le plaisir de t'habiller, de ranger et de te mettre au travail. Je reviens dans 1 heure pour tout vérifier. Bon, et comment ça s'éteint, ce fourbi, tirant sur le fil? Salut. Salut. Je me demande si c'était une si bonne idée que ça d'équiper mamie d'un ordinateur et d'une webcam. Ben, ça va l'occuper. Dis, tu t'y connais, toi, en signe précurseur de l'amour? Ta mère, Lucien et Monsieur Verdier? Bonjour les experts, c'est tout ce que t'as trouvé comme témoignage? J'avais que ça sous la main. Enfin bon, voici selon eux la liste des signes annonciateurs de l'amour. Vas-y, je t'écoute. Alors, d'abord ma mère. Le signe du même moment, même endroit. Quand elle était jeune, elle jouait au flipper dans le café charcuterie de Mortebouze. Et bizarrement, certains garçons se débrouillaient toujours pour y être en même temps qu'elle. Et un jour, l'un d'entre eux s'est lancé et a essayé de l'embrasser. Pas mal. Au suivant. Lucien m'a parlé du signe de la salle obscure. Un jour, il a emmené une certaine Nadia au cinéma et il lui a offert des pop-corns. Et ben, elle a pas arrêté de le regarder et en sortant de la salle, elle se souvenait d'aucune scène du film. Plutôt intéressant. Ensuite? Ben, Monsieur Verdier, il m'a dit que c'était quand Boubou lui avait fait pipi sur les pieds qu'il avait compris que c'était le début d'une grande histoire d'amour. Mais ce signe-là, on va peut-être l'oublier, hein? Oui. Je crois que ça vaut mieux. Du coup, il te reste le même moment, même endroit et la salle obscure. Ben alors, il y a quelqu'un? Coucou! Ah, quand même! Qu'est-ce que tu fabriques fagoté comme ça? Le chauffage est en panne. Le chauffage? Au mois de juin? Tu ne changeras donc jamais, ma pauvre fille. Toujours à jeter l'argent par les fenêtres. Bon, écoute, maman, j'adore papoter avec toi, mais je dois travailler maintenant. Tu peux bien faire une pause pour ta vieille mère, non? Figure-toi que chez le cordonnier, j'ai rencontré la mère Trochu. Tu te souviens de sa fille, Gisèle? Non. Eh bien, figure-toi que cette idiote de Gisèle a quitté son mari qui a pourtant une bonne place à la mairie pour vivre avec un maître chien qui en plus ne dresse que des caniches. Triste monde. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Attention, le voilà. C'est parti pour le même moment, même endroit. Alors comme ça, tu vas acheter des CD? Oui, des CD. Salut. Salut.
Tu vas au magasin de musique, donc? Oui, au magasin de musique, là où travaille Richard, à côté de chez moi, enfin, tout près, quoi. Bon, ben, très bien, alors, au revoir. Salut. Toi et moi, ici, au même moment, si c'est pas un hasard, ça? Non, c'est pas un hasard. Lou, il faut que je t'avoue quelque chose. Oui, Tristan? Y a erreur sur la personne. Moi, c'est Gaëtan. Allez, gamine, tu te pousses. Désolée. Lou, alors? J'ai attendu 2 heures, pas de Tristan. Il n'a peut-être pas osé venir. Tu ne dois pas te laisser abattre. Il te reste le coup du cinéma. Laisse agir la magie du 7e art. Je suis sûre qu'à la fin du film, Tristan ne se souviendra d'aucune séquence. Ouais, on verra. Je suis vraiment contente que t'aies pu venir. Moi aussi, Lou. Alors, il joue Alban ou La confusion des sentiments. Mmh. Paraît que c'est bien. J'avais super envie de le voir. Ça te dit? Oui. Et sinon, il y a quoi? Ben, un truc qui s'appelle Les mercenaires. Il m'a dit, quand je vous vois au milieu de vos hortensias, je vous trouve jolie comme une taupe. J'en étais toute ébobie. J'ai pas laissé passer cet affront. Espèce de vieux débris, lui ai-je dit. J'ai peut-être la vue qui baisse, mais moi, je ne porte pas de moumoute. Oh, tu m'écoutes? Ah, oui, je t'écoute. Oh, mais maman, c'est pas l'heure de ton feuilleton? La clinique de la forêt vierge? Tu parles, c'est une véritable niaiserie. Figure-toi que dans le dernier épisode, cette grosse bourde de Barbara se rend compte qu'elle a accidentellement greffé le cerveau d'un serial killer à Miss Pinstock, la vieille octogénaire. Si c'est pas malheureux! Bon, ne bouge pas pour que j'aille au petit coin. Quel cauchemar! Salut, ça va? Non. J'ai acheté une webcam à ma mère et elle me dérange toutes les 5 minutes. Je suis au bout du rouleau. Y'a quelqu'un? Attends, tu sais quoi? Je vais lui parler. Je sais trouver les mots justes avec les vieilles. Je veux dire, avec les mères. Bonjour, madame. Ah! Heidi! Oh. Comment allez-vous, chère madame? C'est moi, Richard, le voisin de votre fille. Ah oui, je ne vous avais pas remis. Normalement, c'est à votre infâme odeur de mouton mort que je vous reconnais. Désolé, mais là, c'est au-dessus de mes forces. Allez, Richard, reviens. Ne te fâche pas, quoi. Un problème? Non, c'est rien, Lucien, je... Lucien, attends. Les ordinateurs, tout ça, c'est ton truc, non? Non, franchement, c'est énorme. T'as vu la scène où les mercenaires reviennent dans le camp des méchants, sous la pluie, et celle où ils font exploser l'hélico, et le coup des champs de mine? Tu te souviens de toutes les scènes? Ben oui, pas toi? Non. C'est pas grave. Allez, salut. Je suis désolée pour tout à l'heure. J'ai pensé que ce serait sympa que tu reviennes prendre un café. Ma mère ne nous embêtera plus, promis. Trouver un prétendant, le petit Clément Fifrelin. C'est devenu quelqu'un de très bien. Il a une situation, lui. Il est docteur. C'est lui qui s'occupe de mes varices. Ben oui, maman, je sais. Mais non, ma fille préfère parader en redingote au mois de juin avec des pique-niques qui sentent la pique. Ben oui, maman, je sais. C'est un monde, ça. Moi qui me suis saignée aux 4 veines pour t'élever. Voilà comment tu me remercies, en fricotant avec des saltimbanques mal peignées. Ben oui, maman, je sais. Comment t'as fait ça? Mamie discute avec une vidéo de moi enregistrée tout à l'heure. Lucien a modifié le programme pour lui repasser en boucle. Ah, oh, c'est génial. Bon, on se le fait, ce petit café? Ok. Bon. Eh ben voilà, je dois me faire une raison. Il n'y a pas eu de signe et il n'y en aura jamais. Je vais pouvoir déprimer sereinement tout l'été. Ma pauvre loulou. Salut. Faut que je te laisse. Un miracle. Je te rappellerai pour te raconter. Ta mère m'a dit que je te trouverais là. Ah, ben oui.
Mon père a un super mal de tête, il supporte plus le moindre bruit. Alors, comme je dois répéter ma guitare, je me suis dit que... peut-être ici... Tu as bien fait. J'aimerais bien jouer comme toi. C'est pas dur, tu sais. Si tu veux, je te montre les accords de base. Tu crois que j'y arriverai? Bien sûr. Tiens, essaie. Quelqu'un a dit, il y a toujours 1000 soleils à l'envers des nuages. Je commençais à en douter sérieusement. Mais d'un seul coup, tout s'est éclairé grâce à un signe, un tout petit signe. Finalement, les vacances commencent plutôt bien, non? Ça avance de ton côté? T'as plié le linge? Cool, tu passes l'aspirateur maintenant? Tu feras gaffe, hein? Je crois que le sac est plein. Faut peut-être le changer. Maman, ça te dit si à midi on mange le chat avec de la gelée de groseille? Ah ben d'accord, je vois le genre. Je crois pas. Il faut donner 2 cristaux magiques à Protox pour passer les portes de la jungle maudite. Non. Oui, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? À part rester allongé, rien justement. Quoi? Tu plaisantes? Je viens de trouver la solution pour passer le 3e tableau de Super Dario. Et moi, je viens de faire une semaine de vaisselle super crado. T'as trop assuré, bien joué, louloute. Pour fêter ça, je propose pizza royale chez Gino. Qu'est-ce que t'en dis? Je dis que j'en ai marre. Marre de faire le ménage toute seule, marre des jeux vidéo et marre des pizzas, voilà. Marre des pizzas? Pas de problème. Gino, c'est le roi des spaghettis. En fait, je crois que j'ai envie de changer d'air. Ouais, bon, c'est décidé, je vais passer le week-end chez Mina. Ah bon? Ok. Mais qu'est-ce que je vais faire toute seule? Je sais pas, moi. Le ménage. Tu veux rester tout le week-end, t'es sûre? Ben oui, pourquoi? Ça t'embête? Moi, non, au contraire. Mais c'est toi qui risques d'en avoir marre. Mais non. Bah, j'ai une compétition de danse demain matin et puis il y a mes parents. Oui, bah tu sais, chez moi, ma mère est scotchée à sa console toute la journée, il y a de la poussière partout et rien dans le frigo. Ça peut vraiment pas être pire. Pas sûr. Enfin, c'est toi qui vois. Bienvenue. Mademoiselle, merci. Décidément, j'adore chez toi. C'est toujours propre et bien rangé. Zen, quoi. Dis, maman, Lou peut passer le week-end avec nous?
Bien sûr, mon cœur. Lou, tu aimes le somtam? Le som quoi? Le somtam, ce sont des petits morceaux de papaye verte mélangés avec des cacahuètes, des fruits de mer séchés et des légumes. Le tout servi avec une vinaigrette épicée, du riz gluant et du poulet grillé. Waouh! Ah, le four est chaud. Déjeunez dans 12 minutes et 45 secondes, les filles. Sidera, la baroudeuse du cosmos, avait décidé d'affronter cette nouvelle épreuve. Elle allait enfin se poser sur la planète Infector et éliminer la vermine qui régnait en maître depuis trop longtemps. Yeah, à nous deux la crasse! C'était délicieux, Joss. Et aucune portion ne dépassait les 254 kilocalories. Bien, voyons le programme de votre après-midi. Je vote pour sieste devant la télé et grignotage de gâteau au parc. Ou l'inverse, ça me va aussi. Tiens donc, formidable idée, Lou. Mais j'avais déjà prévu quelque chose. La visite de l'exposition de l'artiste Dean Van Ho. Et ensuite, Mina ira à son cours de danse. Départ dans 7 minutes et 20 secondes. Ben quoi, t'aimes pas les expos? Les expos aussi. Mais les expos avec ma mère, c'est spécial. Par la dramatisation des scènes, la simplification, voire la caricature qui caractérise son œuvre, Dean Van Ho renoue avec l'expressionnisme tout en s'intégrant à l'art moderne. Comme vous pouvez le constater vous-même, les filles, ce tableau représente quelque chose de fondamental. Un coquelicot? Pas du tout. Il représente avant tout un tournant dans la carrière de l'artiste. En effet, Dean Van Ho a totalement intégré la notion d'avant-garde. Je te l'avais dit. Par les artistes dans leur priorité donnée à la recherche. Hey, t'es ronchon, toi. Elle est passionnée, c'est génial. Moi, je trouve ça intéressant, en plus. Bon, venez les filles, allons voir la salle avec ses œuvres de la période tardive. C'est encore plus fascinant. Allô? Main, c'est moi. Tout va bien? Ça avance côté ménage? Oui, impec. Et toi, ça va? Super, on sort d'une expo et là on va au cours de danse de Mina. Ok, génial, amusez-vous bien. Je ne voudrais pas te mettre la pression, Mina chérie, mais c'est le dernier entraînement avant la compétition. Merci, maman, je suis au courant. Je passe vous chercher dans une heure 10 précise. Dis donc, on peut dire que tu t'ennuies pas le week-end, toi. Et encore, celui-là, il est cool. Tu veux pas qu'on aille s'acheter un goûter? Non, la prof n'aime pas qu'on soit en retard. Oh là là, l'autre, elle va me faire croire que son cours de danse, c'est l'armée. Je vous rappelle que les guêtres de danse ont une longueur réglementaire. 10 cm au-dessus du genou. Pas plus, pas moins. Ne me dites pas que je suis encore en retard pour le loyer. Vous êtes encore en retard pour le loyer. Bien, ok, entrez. Je vais vous faire un chèque. Alors bon, vous avez encore essayé de cuisiner? Non, pourquoi? Ça sent le brûlé. C'est pas possible. Oh non! Le t-shirt fétiche de Lou. Ça, c'est la tuile. Allons, allons, il suffit de le rapiécer. Rapiécer? Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le recoudre, quoi. Ah! Mais je sais pas coudre. Ni passer l'aspirateur, ni cirer les parquets. Je voulais que l'appartement soit tout propre au retour de Lou. C'est raté. Oh, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Le ménage, c'est bête comme chou. Et je suis sûr que vous êtes plus doué que vous ne le pensez. Vous croyez? J'en suis persuadé. Je vais vous montrer. Commençons par les carreaux. Qu'est-ce que vous utilisez pour les laver? Ben, la pluie. C'était lamentable. On dirait une bonne d'hippopotame en basket. Enfin, ça ne sera jamais pire que la semaine dernière. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Tu vois, elle trouve que vous avez fait des progrès. Elle est positive, en fait. Dites, madame, vous pensez qu'on a une chance de gagner la compétition demain? Est-ce que j'ai une chance de rajeunir?
Bon, te laisse pas abattre. Allez, viens, je te paye un banana split. Ok. Oh. Mina chérie, j'ai 1:57 d'avance. Je vous attends dehors. Bon, petit questionnaire, trucs et astuces. Que faire lorsque sa bouilloire est attartrée? On la jette. Faux! On la passe au vinaigre. Que faire avec de vieux draps usagés? On les jette. Faux! On les découpe pour faire des chiffons. Que faire avec de vieux pots de yaourt usagés? Attention, il y a un piège. On les garde. C'est sympa pour faire des maracas. Faux! On les jette. Je vous l'avais dit, j'y connais rien, c'est sans espoir. Allons, ne vous démontez pas pour si peu. Vous voulez faire un grand nettoyage, oui ou non? Ben, oui. Alors on va s'y mettre. Et ensemble, on va y arriver, d'accord? Vous allez m'aider? Oui. Allez, au boulot. Moi, je m'occupe du salon. Ah. Et moi? Vous allez rouler toutes vos paires de chaussettes en boule. Ok. Ça, je dois pouvoir y arriver. Il est 19h30, le dîner est servi. Ça sent bon, c'est encore du somta? Non, le soir c'est plat unique sans viande. Légumes vapeur, tofu et riz blanc. Je peux avoir un peu de beurre? Tu es sûre? Tu sais que c'est plein de graisse animale très mauvaise. Ah bon? Ben non alors. Pauvre gamine. Il y a un problème, Robert. Oh. Oui, je veux du beurre moi aussi. Jamais, c'est mauvais pour ton cholestérol. Si j'en ai, c'est à cause du stress. Et tu veux savoir ce qui me stresse? Je suppose que c'est moi, c'est ça? Parfaitement. Eh bien, pour une fois, tu as le courage d'exprimer clairement tes opinions. Oui, et je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. Eh bien, vas-y, je t'écoute, on a toute la soirée. Alors, ça roule? Bah, en fait, j'ai des tas de chaussettes, mais pas deux de la même couleur. Et vous, où vous en êtes? J'ai presque fini la poussière, mais à vous de m'apprendre une astuce. Comment on nettoie ces bidules? Oula, ça se nettoie surtout pas, ça! Mais qu'est-ce que c'est? Ma console! Bah, allons bon! À quoi ça sert? À jouer à des jeux. Des jeux vidéo. J'en peux plus. Je t'avais prévenu. Dis, si on se regardait un film maintenant, j'ai des chips dans mon sac, ok? Un bon vieux film d'horreur, ça te va? Ok. Allez les filles, les dents et au lit. Au lit? Mais il est 20h30. J'ai ma compète de danse demain matin. Mina, n'oublie pas de mettre ton réveil à 6h. 6h? Tu sais, si t'as envie de partir, je t'en voudrais pas. C'était sympa, Mina. Vraiment, ça m'a bien changé les idées. Mais t'as envie de retrouver ta maman cool et ton chez-toi tranquille. Je te comprends. J'ai trouvé les cristaux magiques! Oh, Lou! T'es déjà là? Je vais t'expliquer. J'ai voulu faire le ménage, je te jure! Ah, c'est vrai, je confirme. Elle n'a pas réussi, mais elle a essayé. Mais c'est elle qui a voulu jouer. Ah, c'est vrai, je confirme. Alors, on a commencé une partie. Je confirme. Elle voulait découvrir Protox. Un seul personnage, ce Protox. Enfin bref, avec tout ça, j'ai pas pu ranger. Oh non, t'es encore fâchée, ma louloute? Pas du tout. À vrai dire, je suis même drôlement contente d'être de retour. Super! Mais alors, où tu vas? Chez Gino, chercher une pizza royale pour fêter ça. Ok! Allez! Oh non!
Tristan, ma louloute? Toujours bloqué sur ton cher Tristan? Ah, il est vraiment trop mignon. Là, il mange un sandwich au poulet. Waouh, trop sexy. Mais dis, pourquoi tu ne vas pas lui parler au lieu de l'espionner? Lui parler? Ben oui, tu sais, les mots, les phrases, tout ça. Mais je suis pas encore tout à fait prête, maman. Tu le connais depuis la maternelle et vous n'avez jamais échangé un mot? Au fond, tu es amoureuse d'un garçon que tu ne connais pas. Mmh. Erreur! Je sais absolument tout sur lui, figure-toi. Vas-y, regarde. Mmh. Oh. Bon, là, il s'étire, ensuite il va fermer sa BD, et puis il va terminer tranquillement son sandwich, et puis... Eh non! Hein? Mmh. Quoi? Non! Mon cœur saigne! Lou! Attends! Enfin, Lou, un doigt dans le nez, c'est rien. Moi-même, de temps en temps, le soir, devant la télé... Je veux pas savoir, c'est dégoûtant. D'accord, ok, d'accord. Allez, ma louloute, sors de cette malle. Non, j'ai besoin d'un peu d'introspection pour comprendre comment j'ai pu aimer un cochon pareil. Introspection? Ok, tu l'auras voulu. Maman? Ma chérie, il arrive un moment où on ne peut pas tout raconter à sa maman. Mais à son journal intime, on peut tout dire. Surtout ses peines de cœur. Non, je préfère rester malheureuse toute ma vie. Mina, j'ai besoin de toi, là. Doigt dans le nez, amour déçu, mal de la honte. Je vois. Nous devons faire face à une situation de crise niveau 8. Voire 9. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Je ne vois qu'une seule solution. Faire chauffer du lait. Maintenant, il suffit de compter. 1, 2, 3, top! Mina! Ok, je vous laisse. Pendant ce temps, je vais vous préparer une surprise, un super déjeuner. Un déjeuner, t'es sûre? Oui, oui, t'inquiète pas. Bon, alors Lou, c'est quoi ce drame avec Tristan, hein? Ne prononce plus jamais ce prénom! Mon cœur a été brisé par les sombres et implacables mâchoires d'un phacochère aux naseaux putrides. Ok, tu nous fais carrément une crise de niveau 12. Tu sais quoi? Il faut que tu passes à autre chose. Tu dois oublier Tristan... je veux dire, Bob. On va l'appeler Bob. L'oublier? Ben voyons, et comment? T'inquiète, j'ai des tas d'idées. Alors, c'est pas génial d'être ici? Ouais. Tu entends ce doux bruit qui se rapproche? 4, 3, 2, 1... Oh! Yahoo! Ouah! Celui-là, je parie qu'il va à Madagascar. Et toi? Je sais pas, on fiche. Allez, imagine qu'on est dedans et qu'on fait le tour du monde. Énorme. T'as vu la taille de son nez? Oh. Et crotte. Bon alors, curcuma. Curcuma... Il n'y a pas de curcuma à Osaka. Je répète, il n'y a pas de curcuma à Osaka. Il n'y a pas d'estragon à Saigon. Silence, malheureuse! Quelle est votre stratégie? Sabotage? Infiltration? Non. Fabrication de goulash sildave. C'est pour ma fille. Elle a son premier chagrin d'amour. Un garçon qui s'est mis son doigt dans le nez sans crier gare. Je vois. En 1958, un sorcier Matoutou a recollé les morceaux de mon cœur brisé. En Afrique? Non, en Haute-Marne. Depuis, le maraboutage n'a plus de secret pour moi. Mais ne le répétez à personne. Ok, je vais faire gaffe. Allez, maintenant, vas-y, Lou. Mets-y toutes tes tripes. Il faut l'exorciser, ta douleur. Elle doit rester là, sur le trottoir. Allez, fais-lui sa fête. Waouh, wow, c'est puissant. Alors, ajoutez ensuite les carottes coupées en rondelles. Bien.
Voyons voir. Carotte, carotte, carotte. Ah bon, allez, va pour du concombre. Après tout, c'est la même chose, en plus gros et en vert. Hop. Voilà. Ajouter une pincée de sel. Faire mijoter une heure à feu doux sans arrêter de tourner. Ok. Round 2. Fight. Allez, vas-y, s'abatte-le comme il le mérite, ce ninja de malheur. Youpi! J'adore ce jeu. Ouais, tu m'étonnes. Allez, continue et n'oublie pas l'attaque spéciale. Voilà, et maintenant, mets-lui un gros punta. Yeah! Bien joué, le bourre-pif! Je suis désolée, mais là, j'ai épuisé tout mon stock d'idées pour te faire oublier, Bob. Je vais être malheureuse à jamais. Désormais, le soleil de l'amour ne luira plus pour moi. Mon existence ne sera plus que ténèbres. Attends un peu avant les ténèbres. Ta mère nous a préparé un super déjeuner. Sympa, non? Et voilà, du délicieux borsch. C'est une recette sildave destinée à réconforter les amoureux en détresse. Miam, ça sent drôlement bon, hein, Lou? Qu'est-ce qu'il lui prend? Surprenant. Au grand mot, les grands remèdes. Vous, vous allez manger chez Gino une pizza. Moi, j'ai un petit truc à faire. Rendez-vous ici dans une heure. Oh. Il n'y a plus de curcuma à Osaka. Il n'y a pas d'estragon à Saigon. Et pour mes petites reines, deux super Regina hey préparées avec amour par votre Gino. Lou, depuis que tu es entrée, tu fais une tête d'enterrement. Ma, tu veux couper l'appétit de tous mes clients? Gino. Oh, mia bambina, si je trouve le misérable qui t'a fait de la peine, il va entendre parler de Gino. Rah, il va déguster et pas une calzone. Bonjour, Gino. Ma pizza est prête? La voilà, Tristan. Buon appetito. Merci, Gino. À plus. C'est bon, Lou. Bob est parti. Ma, qui c'est ce Bob? Un maraboutage anti-cœur brisé. C'est ça ta super idée? Simple et efficace. On rassemble tous les objets appartenant à Bob que tu possèdes. On ajoute un de ses cheveux et on fait tout flamber. Et ensuite on appelle les pompiers? Mais non! Ensuite tu es libéré. Ça marche, j'en suis sûre. C'est l'ancien qui me l'a dit, alors? Ah bah alors tu penses? Allez Lou, quoi? Ça coûte rien d'essayer. Tu veux l'oublier ou pas ton Tristan, ton Bob? Ok, ok. J'ai peut-être un ou deux trucs à lui. Mais je promets rien. Génial. Il ne manque qu'un de ses cheveux. Oui, bah désolée maman, j'ai pas ça en stock. Alors autant laisser tomber. Hein. Je ne laisse jamais tomber. Bonjour jeune homme. Voulez-vous aider la science à faire des progrès décisifs qui changeront à jamais la face de l'humanité? Waouh, comment t'as fait? Top secret. Allez, tout le monde en place. Le maraboutage anti-cœur brisé peut commencer. Oh, istu param nasi, adieu à l'amour, adieu à la vronta, spacitou, adieu à l'amour. Oh, istu param nasu, flamistou. Ah, en fait, l'idée c'est de te casser les oreilles. Comme ça, t'oublies direct ton cœur brisé. Oh, les filles, n'arrêtez pas, je sens l'esprit du grand Matoutou fondre sur moi. Oh, dis adieu à l'amour, adieu à l'amour, adieu. Banana, Nico. Voilà, maintenant, mettre le feu à tout ça, tu dois, et l'oubli, tu trouveras. Bon, allez, quoi, vas-y. Allez, Lou. Et comme ça, j'oublierai mon amour pour toujours.
Résultat garanti par le grand sorcier Matoutou de la Haute-Marne. Hein? Oh? Je peux pas. Tristan me dégoûte, mais je ne veux pas l'oublier. J'ai besoin d'être seule maintenant, laissez-moi. À son journal intime, on peut tout dire, surtout ses peines de cœur. Et ça soulage, crois-moi. Allô, Mina, c'est moi. Oui, ça va mieux. Tu sais quoi, Tristan et moi, on est pareil. On est fait l'un pour l'autre. C'est la première fois que je tiens un journal intime. J'ai le trac. Je crois qu'il faut commencer par « Cher journal » ou un truc comme ça, non? Ou alors je présente les personnages comme dans un livre. Ah ouais, je vais faire ça. Alors, lui, ben, c'est Tristan. On pourrait croire que c'est mon amoureux, mais bon, en fait, c'est juste un copain. Ouais. Un très bon copain. Un très très bon copain. Mais un copain, pas plus, hein. Juste un copain, quoi. Voilà. Pas super bon. Mais bon, t'as l'air sympa. Allez, Zou, retourne d'où tu viens. J'ai du boulot, moi. Oh. Tiens, ça devrait te faire du bien. Oula. Hé, hey, doucement. Wow, t'as pas mangé depuis quand? Salut Mina. Salut, ça va? Tu tombes super bien. Ah bon, pourquoi? Tu devineras jamais qui vient d'arriver chez moi. Tristan. Mm-mm. Le prof de maths. Mm-mm. Johnny Depp. Mm-mm. Incroyable. Un chat? T'as un chat, toi, maintenant? Il s'est incrusté. Le problème, c'est que maman va faire une attaque. Et elle adore les animaux, non? Ouais, sauf les chats. Ah bon? Ça date de quand elle était petite. Un jour, elle jouait tranquillement dans le jardin à Mortebouze. Tout d'un coup, elle a vu passer un chat tout mignon. Elle a voulu le caresser, mais le chat s'est sauvé. Et il est monté direct en haut d'un arbre, tu vois. Du coup, ma mère, elle a grimpé pour rejoindre le chat, tu comprends? Mais ce chat, en fait, il était pas trop sympa. Il lui a déchiqueté la main, le chat, sous le coup de la douleur. Ma mère, elle est tombée de l'arbre, pile dans une flaque de boue. Aïe, la tuile! Tu m'étonnes. En prime, elle a pris une fessée pour avoir abîmé ses vêtements. C'est pour ça qu'entre elle et les chats, c'est la haine. Dure. Et là, au fait, elle est où? Elle fait du shopping. Elle a décidé de changer de look. Encore? Bah ouais. Bonjour. Ah!
Bonjour, mademoiselle. Je peux vous être utile? Oui, voilà, j'aimerais changer de look. Il me faudrait de nouveaux vêtements. Ça tombe bien, on en vend. Oui, bon. Vous préférez quel style? Ben, en fait, j'aimerais quelque chose de féminin, mais quand même pas trop. Je ne suis pas non plus, vous voyez quoi. Je veux dire, ce qu'il me faudrait, ce sont des vêtements qui fassent jeune, mais qui me donnent une certaine maturité. Et surtout, un truc assez habillé pour que je puisse le mettre tous les jours. Je vois que madame sait ce qu'elle veut. Et toi, t'aurais pas envie d'adopter un chat? Avec Jean-Pascal, t'es dingue, il est hyper jaloux comme chien. Non, ce qu'il faudrait, c'est le refiler à quelqu'un. Oh, j'ai une idée! S'il vous plaît. Oh, magnifique! Ouais, c'est pas mal. Un peu strict, peut-être. Et puis, ça me vieillit, non? Et c'est un peu serré à la taille. Et puis, j'aime pas trop la couleur. Non, non, je vous assure, c'est nickel! Ouais. Finalement, bof, je vais essayer autre chose. Prenez votre temps. T'es sûre de toi? Sûre. Ah, Madame Schurm, c'est l'amie des bêtes. Elle recueille tous les animaux errants. Qu'est-ce que c'est? Vous venez payer le loyer? Non, c'est moi, Madame Schurm, c'est Lou. J'arrive, ma petite, j'arrive. Bonjour. Voilà, on a trouvé un petit chat et on se demandait si vous pourriez pas l'adopter. S'il vous plaît. Il est à qui, ce chat? Ben, comme on l'a... Et comment il s'appelle? Oui, ben, je sais pas. Il est propre, au moins. J'en sais rien. Bon, d'accord, je le garde. Alors, on est un bon chat-chat. Ah, voilà. Tu vas te plaire ici. Tu as plein de nouveaux copains. Oui. Je te présente ta nouvelle maison. Oula, doucement. Mais n'aie pas peur. Reviens, Minou, reviens. Minou. Il a filé. Tant pis pour lui. Il a vraiment un caractère de cochon, ce chat. Allez, viens, fais pas cette tête. C'est sûrement mieux comme ça, avec ta mère et tout. Partir chez lui. C'est pas ce que tu voulais? Oh, dingue! Il est revenu! Génial! Mince alors. Bon, cette fois on va l'attraper et le donner à quelqu'un qui saura s'y prendre avec lui. Hé! Hey! Où tu vas? Viens ici! J'y arrive pas! Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça se porte comme ça. Vas-y, coince-le. Caramba! Encore raté. J'ai une autre idée. Je vais louer un costume de souris. N'importe quoi. Et si t'avais été plus adroite pour l'attraper aussi? Oh, ça va, hein. Si tu le prends comme ça, je te laisse te débrouiller toute seule. Attends, je m'excuse, là, voilà. Bon, ok. Mais si tu veux capturer ce minou, tu devrais faire appel à un professionnel. Mais qui? J'en sais rien, moi. Un gardien de zoo ou un dompteur? L'ancien de l'immeuble! Il était dompteur? Non, mais je crois qu'il a passé une partie de sa vie en Afrique. Et il paraît qu'il aurait capturé des milliers d'hippopotames. Quoi? Ben oui, c'était son métier. Là-bas, il était... des hippopotameurs. Ah!
Superbe. Ah oui, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est? Alors? Bonjour monsieur, excusez-nous de vous déranger. Voilà, j'ai un petit problème. Figurez-vous qu'il y a un chat chez moi. Il est en train de squatter. Mais en même temps, j'ai pas envie de le chasser. Mais il y a ma mère, elle s'achète des fringues. Elle déteste les chats. Et du coup, il s'est planqué sous le lit. Alors, j'ai besoin d'un petit peu d'aide. Et j'ai imaginé qu'avec votre passé en Afrique, vous auriez pu nous aider à l'attraper. Et... Oh. Hé, où allez-vous comme ça? La chasse aux félins est ouverte. Restez ici, camarade. Ça peut être dangereux. Vous savez, c'est juste un chat. Ce n'est jamais juste un chat. Il m'a donné du fil à retordre, mais je l'ai harponné. Qu'est-ce que vous allez en faire? Le garder, c'est justement l'ingrédient qu'il me manquait. L'ingrédient? Monsieur, attendez! Oh, salut Louloute, t'aurais dû venir avec moi. Je me suis éclatée. Ben, c'est quoi cette tête tristounette? Rien. Faut que j'y aille. Salut Mina. Salut. Bon, moi je rentre. Salut. Tada! Oh. Ben alors, qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien. C'est juste que... Ah! Quoi? Là, il y a un... Il est monté sur... Ah non, je déteste les... Hé! Je ne veux pas de cet animal ici! Non, il ne peut pas rester! Ah! Attends, je vais le faire sortir. Dis donc, l'ami, t'aurais pas vu mon ingrédient? Il a filé comme un lâche. Il y a du nouveau, monsieur. On a décidé de le garder, en fait. Ah bon? Dommage. Enfin, si vous changez d'avis, faites-moi signe. Et avant la prochaine pleine lune, si c'est possible. En Super 4, tire au flanc, ou la flaque, ou le boulet, ou Brandon 8, Hulk, Nyarlathotep, Kid Gérard. Petit chat, c'est maman. S'il te plaît, maman. Hé, ça t'ennuierait de m'aider à lui trouver un nom? Je cherche. Petit. Mongo Elvis. Chachoumou. Ah non, j'ai trouvé. Super Satori. C'est bien ça. Bof.
invitations pour ton anniversaire. C'est sympa, Lou, mais cette année, mon anniversaire, ce sera sans moi. Hein? Mes parents, le divorce, tout ça, je sens venir le truc. Tu vois, genre, ils sont là, tous les deux, autour du gâteau, à vouloir m'organiser la fête parfaite, et puis paf, ils se mettent à se crier dessus. Je les connais par cœur, tu sais. Tu dramatises pas un chouïa, là? J'ai réservé le meilleur karaoké de la ville. Il y aura un buffet et une fontaine de jus de fruits exotiques. Exotique, ça? Tu as toujours aussi peu d'imagination, mon pauvre Robert. Bon, ok, tu dramatises pas. Un gâteau d'éléphant sous une pluie de pétales de rose. Ah, Mina, tiens, dis à ton père que le karaoké, c'est ringard. Tu ne trouves pas que l'éléphant, c'est pour les bébés? Stop! J'en ai marre d'être au milieu de vos disputes. Et c'est pas la peine de prendre mon anniversaire comme prétexte. Parce que cette année, je ne veux pas de fête. Je veux être tranquille et seule. Enfin, ma chérie! Eh bien, bravo, tu es fière de toi, j'espère. Ma louloute, on ne peut pas forcer les gens à faire la fête s'ils n'en ont pas envie. Mina, on aurait envie si ses parents étaient moins cinglés. T'aurais vu ça, ils sont partis dans une dispute pour une histoire d'éléphant et de jus de fruits. Ah, ils vont se calmer, il faut un peu de temps. C'est comme pour la sculpture. Avec du temps, je devrais pouvoir y arriver. Ouais, mais du temps, là, en l'occurrence, j'en ai pas. C'est demain son anniv, Mina. Il suffit d'un peu d'imagination et on arrive à tout surmonter. Bon, il n'est pas fini, mais il va être superbe. Et puis l'important, c'est d'essayer, hein? Allez, ma vieille, déprime pas comme ça, franchement, tu vas pas rester toute seule, c'est glauque. J'ai Jean-Pascal pour me tenir compagnie, c'est encore plus glauque. Allez, viens à la maison, on se fait une pile de crêpes et on écoute de la musique. T'es partante? Mince, la tuile, mon père va passer à la maison pour me donner mon cadeau. Et ma mère qui a pris son après-midi va débarquer elle aussi. Bon, ça marche pour les crêpes, je leur dis que je suis chez toi. Je ne veux plus les voir et surtout pas tous les deux ensemble. Oh. Joyeux anniversaire, Mina. Tu voulais pas de fête d'anniversaire avec tes parents, alors je me suis dit qu'une petite fête entre nous. Waouh, c'est vraiment super. C'est la première fois que je le fête sans mes parents, ça fait bizarre. T'en fais pas, Mina, ça va s'arranger. Faut leur laisser le temps de digérer tout ça, ça arrive les disputes. Moi aussi, tu sais, bah, parfois je crie fort contre le loup. Il y a d'autres invités? Bah, non, ça doit être Gino et le super gâteau d'anniversaire. Mina est ici, je crois. Désolée, je ne pensais pas jouer les troubles fêtes. Ma chérie, je m'en veux terriblement de m'être disputée comme ça avec ton père au sujet de ton anniversaire. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que tu me pardonnes? Si je peux me permettre, j'ai une super idée. Vous n'avez qu'à utiliser le super truc dont on se sert, Lou et moi, pour se réconcilier. Le gage musical. Efficacité garantie. Mais faut vraiment être prête à tout. Je suis prête à... tout. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme Cestui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Super! Ouais, ouais. Le flow est poussif, c'est pas en rythme, mais bon, t'as fait de ton mieux. Allez, tu peux rester, tu es pardonnée. Bon anniversaire, ma petite fille. Enfin, ma grande fille, devrais-je dire. Après MC Joss, la maison vous propose un grand tournoi du jeu le plus formidable du monde dont je suis la record woman intergalactique avérée. J'ai nommé le Twister. Buongiorno, vous venez pour la fête d'anniversaire? Une fête? Quelle fête? Ma, c'est fantastico! J'ai une monde de fou au restaurant, je vous confie les tiramisu, ciao! Une fête d'anniversaire? Lou, bellissima! Si, le tiramisu est prêt, je viens juste de le donner au papa de Mina. Au papa de Mina? Main droite sur verre. Richard, tu viens chercher le gâteau avec moi? Robert, le père de Mina, arrive. Il ne doit pas voir Joss. Sinon, ils vont encore se disputer et Mina aura le pire anniversaire de toute sa vie. Alors tu vas dans ton appart et tu le décores. On va faire une deuxième fête d'anniversaire. Mais on fera croire à Robert qu'il n'y en a qu'une seule. Et je vais tout faire pour le retarder. Allez, go, go! Robert! Oh, quelle bonne surprise! Comme cette fête d'anniversaire. On y va? J'aimerais voir Mina. Vous savez ce que m'a raconté Mina un jour? Il paraît que pour l'anniversaire de ses 4 ans, vous lui avez offert un... Sauf qu'elle n'a pas compris, normal, elle avait que 4 ans. Mina m'a aussi raconté la fois où vous étiez partis au bord de la mer tous ensemble et que vous avez voulu lui apprendre à nager. Il faut dire que vous étiez un sacré père. Et ce jour où... Et ce jour où... Bon, ben alors on y va à cette fête d'anniversaire ou quoi? En avant!
Vous avez déjà vu quelqu'un d'aussi souple? Non, c'est par ici. Ma jambe, elle, elle est à l'envers, non? Mais c'est la voix de ta mère, non? C'est que elle est prof de yoga maintenant. Elle nous rejoint après son cours. Ah! Une crampe! Je sens plus ma jambe! C'est original. Oui. Oui, j'ai donné tous les documents à Edwige avant de partir. Je retourne en face. Comment ça? À tout de suite. Ne me laisse pas tout seul. Je n'ai rien à lui dire, moi. Il a l'air grognon comme ça, mais quand tu le connais mieux, il est toujours aussi grognon. On s'y fait. Ma jambe semble ne pas céder. Continuez. Main gauche sur jaune. Mina? Pied droit sur le bleu. Qu'est-ce qui se passe? Mina, c'est la cata. J'adore ce jeu. Bon, j'abandonne. Trop forte, ta mère. C'est quoi ces messes basses? Il ne faut pas que mes parents se rencontrent, sinon ils vont croire qu'on a tout organisé dans le dos de l'autre et ça va être la guerre. Qu'est-ce qu'il y a? On ne joue plus? Vous, vous me cachez quelque chose. Allez, poussez-vous. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est que... il est très mauvais perdant, alors il est retourné chez lui. On aurait dû lui présenter Robert, alors. Pardon, ma chérie, je vais arrêter de parler de ton père comme ça. Essaie toujours, mais tu sais, je ne suis pas en sucre. On refait une partie? Tu viens? On a évité la catastrophe. C'est quoi la suite du programme? Trouve un moyen de faire diversion. Joss doit rester ici pendant qu'on va à l'autre fête d'anniversaire. Il faut faire vite. Je sais pas combien de temps Richard va tenir avec Robert. Vous travaillez dans la pub? Vous vendez des disques? Je prépare aussi une thèse sur les fabliaux italiens du Moyen-Âge. La poésie. Je me suis toujours demandé à quoi ça servait. Ah, ça! Bon, alors, pour le gâteau, pendant que tu allumes les bougies, nous, on s'occupe de Mina. Quand tu entendras le mot secret, tu viendras nous retrouver. Ce mot, c'est turboréacteur. Joss, eh oh, tu m'écoutes? Quoi? Oui, oui, j'ai compris, turboréacteur. Vas-y, vas-y, je te rejoins. Je ne peux pas laisser cette chambre dans un état pareil. Yes! Une fête d'anniversaire! Cool! Mina, aujourd'hui c'est ton anniversaire. C'était pas très sympa que je me dispute avec ta mère, excuse-moi. Je suis prêt à tout pour me faire pardonner. À tout? Vraiment? Cherche pas à comprendre. Quand tu recevras un texto avec le message « Go », fais le plus de bruit possible. Richard, tu veux bien être le coach de mon père pour son numéro? Et comme ça doit être une surprise, on vous laisse répéter tranquille. Bah alors, maman, qu'est-ce que tu fabriques? Ma chérie, j'ai honte. Mais Emma a été tellement gentille d'organiser ta petite fête. C'est mieux comme ça, non? Allez, on passe au gâteau et au cadeau? Un numéro musical, mais qui lui a mis ce genre d'idée en tête? Je ne sais ni chanter ni jouer d'un instrument, moi. Allons, allons. C'est peut-être juste que vous n'avez jamais essayé. Allez, soufflez là-dedans. C'est bon, je vais vous montrer. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Mina. Tu ouvres tes cadeaux? Il fait agenda et organiseur électronique. Je vais le découper. Maman, empêche-la de toucher au gâteau, on en a besoin pour chez Richard. Mina, remballe les cadeaux tout de suite et il faut trouver une nouvelle occupation à ta mère. Je n'arriverai jamais à faire un numéro. Je n'ai aucune fantaisie. Je n'ai pas de passion à part mon boulot. Je suis très ennuyeux. Étonnant que ce se soit mal passé avec ma femme. Mais Jean-Pascal, bon sang, j'aurais juré entendre mon chien. Vous savez, il arrive que pendant une rupture, on ait parfois des hallucinations auditives. Ça m'est arrivé. Fauteuse. Ah, mais si, je vous promets. Ça a commencé un jour où il pleuvait. Je me souviens, j'avais décidé d'aller au zoo. Sono tanto contento pour la bambina Mina. C'est tellement mieux malgré sous séparazione d'être venu avec son marito. Quoi? Robert est ici?
Allô, Lou? Oh. Bon, et si on laissait à Robert le temps de peaufiner son numéro, hein? Mais pas de mais. Allez, bon travail. Peaufiner le numéro? On n'a même pas commencé. Faucon rusé, mouflon espiègle. Où est Robert? Vous vous êtes bien fichu de moi. Oui, mais tout cela ne serait jamais arrivé si papa et toi étaient un peu plus civilisés et si vous pouviez passer plus de 5 minutes sans vous disputer. C'est vrai, mais je me suis déjà excusée et ne me dis pas que Robert est chez Richard. Et ils ne se sont pas encore entretués? Racala, rigola, eureka. Masmola, Rikita, Karamba! C'est ça votre numéro? Non, c'est la danse rituelle du camp de scout où Mouflon Espiègle et moi avons passé tout un été. Le même camp de scout, vous vous rendez compte? L'archiponcture de A à Z, qu'est-ce que c'est que ça? L'archiponcture est basée sur l'art ancestral du Feng Shui. C'est une théorie qui établit un parallèle entre les circulations d'énergie dans les maisons et les méridiens du corps humain. Tu veux dire que, par exemple, le salon, c'est la tête, la cuisine, le foie et les toilettes, le... Pas du tout! Ça sert à organiser l'espace pour se sentir bien chez soi. D'après ce livre, c'est même excellent pour l'inspiration. Alors, je me disais que comme ma dernière histoire de Sidéra n'avance pas ces jours-ci, je pourrais en profiter pour faire quelques changements dans l'appartement. N'importe quoi. Enfin bon, si ça peut t'aider. Je vais faire un petit tour. À plus. Voilà. Je sens déjà que l'énergie circule beaucoup mieux. Intolérable. Horrible. Épouvantable. Très très laid. C'est indéniablement moche. Excusez-moi, mais vous parlez de quoi là? De ça. Quoi ça? Mes vêtements? Ça fait plaisir. Non, je parle de ça. De votre doigt? Mais non, c'est cette peinture marron qui nous consterne. Qui nous désespère. Qui nous afflige. Qui nous déprime. Venez, on va appeler le propriétaire. Allô? Hein? Charlie? Madame Schurm à l'appareil. Denise, quel bon vent vous amène? Hélas! Le vent de la révolte! Je suis en présence des locataires de l'immeuble qui ont des doléances à vous transmettre. Je suis tout oui. On voulait savoir si, par hasard, il vous serait possible de... faire repeindre l'entrée qui est un peu... défraîchie. On peut se cotiser pour payer les travaux.
Non, non, pas question. Les travaux sont à ma charge, c'est la loi. Mais ne pourrions-nous pas imaginer quelque chose de plus beau, de plus original qu'un simple coup de pinceau? Un marron brillant à la place du marron mat? Pour l'originalité, vous repasserez. Je pourrais peut-être peindre une fresque? Excellente idée, j'adore les beaux-arts. Quel serait le thème de votre œuvre? Ben, je sais pas, voyons, par exemple, la collision des corps célestes, ou bien, l'amour entre les peuples. L'amour entre les peuples, j'adore. Vous avez carte blanche. Le salon dégage une meilleure énergie avec le canapé à cette place, tu ne trouves pas? Ben, Ouais, le seul souci, c'est que je ne vois plus la télé. Va falloir corriger ça. Ben oui. Bon, sinon, j'ai une super nouvelle. Le propriétaire de l'immeuble est d'accord pour que je peigne une fresque dans le hall. T'es bloqué. Coucou, j'ai mis le canapé à la place du bureau. Ça sera mieux pour l'inspiration. J'en doute pas. Tu viens à l'inauguration de ma fresque? Elle est terminée? Oui, bien sûr. Enfin, dès que les énergies circuleront parfaitement dans l'appartement et que j'aurai débloqué la porte. Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? On n'a pas que ça à faire, nous. C'est vrai, il y en a qui sont à la retraite. Ça vient, ça vient. Bon sang de bonsoir, ça alors? Nom de Zeus, c'est vraiment très beau. Je confirme, pour un coup d'essai. C'est un coup de maître, on dirait du Fellini, en plus fixe. On peut dire que tu as un sacré coup de pinceau. Ben, merci. Je suis très touchée. Pourtant, j'ai le sentiment confus qu'il manque quelque chose. Pour que ce soit parfaitement parfait. Ah? Oui, à mon avis, il manque un petit rien pour obtenir une harmonie cosmique totale. Tout à fait d'accord. Il y a comme un petit déséquilibre là, sur la gauche. Il faudrait rajouter un motif. Voyons. Tiens, voilà. Une marmotte. Une marmotte? Quel est le rapport avec l'amour entre les peuples? C'est bien connu. La marmotte, contrairement à l'homme, n'est pas un loup pour la marmotte. Cher ami, j'aime bien votre idée d'animal, mais je verrais plutôt un chien. Un peu comme mon bobo. L'amour que cette espèce porte à l'homme viendrait, comme qui dirait, renforcer l'idée d'amour entre les peuples, non? Et puis, ces silhouettes colorées-là, je ne dis pas, elles sont bien. Mais si elles représentaient des gens connus, on pourrait peut-être mieux s'identifier à un peuple. Et du coup, à l'amour. Des gens connus comme qui? Comme Jean-Paul Kramer, par exemple. Le présentateur télé? Oui, il est gentil avec tout le monde, même avec les animaux. Ouais. Moi, je verrais plutôt un acteur comme Bruce Lee. Et si on ajoutait un cercle de protection kabbalistique, il formerait une véritable barrière d'amour pour protéger les hommes contre les êtres venus d'une autre dimension. Je sais pas, vos idées partent un peu dans tous les sens.
Peut-être, mais comme la fresque se trouve dans les parties communes, elle doit plaire à tout le monde. Bon, ok. Il y a peut-être moyen d'arranger tout ça. On progresse, hein, Jones. On y est presque. Tu sens les bonnes ondes et tout, mais on doit pouvoir faire encore mieux. Et voilà. Ouais, je ne suis pas vraiment convaincue. On s'éloigne un peu de l'amour entre les peuples, il me semble. Oui, là, ça ressemble plutôt au kung-fu entre les peuples, non? C'est à cause de Bruce Lee. Il est quand même connu pour distribuer des mawashigiri. Vous connaissez rien à la philosophie du petit dragon. Ce sont des mawashigiri métaphoriques. Non, ce qui ne va pas, c'est la grosse marmotte ridicule et le Jean-Paul Kramer. Ben quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait, mon Jean-Paul? Il a pas une tête à prôner l'amour entre les peuples, le Kramer. Ah oui? Mais vous savez ce qu'il vous dit, le Kramer? Allons, 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 s'il vous plaît, un peu de calme. Oh, vous, avec votre affreux boubou, là, c'est pas le moment de la ramener, hein? Ça suffit! Vous avez vu où on en est avec vos suggestions stupides, là? Cette fresque, maintenant, elle ressemble à rien. Alors je vais revenir à mon concept de base. Et ce coup-ci, je veux plus entendre le moindre commentaire. Je me suis bien fait comprendre? Bien, ok. On n'a plus qu'à rentrer chez nous, alors. L'amour entre les peuples, tu parles d'une tyrannie, oui. Une vraie dictature. Et voilà. Parfait. Oh. Ah, Louloute, c'est toi? Ben oui, rendors-toi, je vais dans ma chambre. Mais là, ta chambre, elle est dans la mienne. Vu que la mienne est au salon et que le salon est dans la tienne. Super. Pain au choc ou croissant? Brioche. Ça marche. Bien considéré, c'est pas terrible, terrible. En effet, c'est... comment dire ça avec tact? Légèrement à vomir. Exactement. C'est à cause de ce Jean-Paul Kramer, là. Il ressemble à rien. Si, un Picasso. Vous ne comprenez rien au cubisme, vous, ça se voit tout de suite. Il n'y a qu'à regarder votre boubou, on dirait une poule neurasthénique. Attention, Madame Schurm, la poule neurasthénique pourrait bien finir par vous montrer les dents. Ah oui? J'aimerais bien voir ça. Hey, mais qui a osé m'acculer Bruce Lee? C'est Madame Schurm. Elle déteste le figuratif. Je n'ai pas fait exprès. Même si c'est vrai que votre Bruce Lee est complètement raté. Vous méritez que je vous macule, votre Kramer. Et attendez, regardez ça. C'est chouette, cette couleur. On dirait les croquettes de mon bobo. C'est apaisant, comme un tronc d'arbre dans une vénérable forêt druidique. Comme le flanc des montagnes en été autour de mon village natal. Le marron profond des anciens films sépia. Comme les bons vieux murs de cet immeuble qu'on aime tellement. J'appelle tout de suite Charlie. Ça y est, j'ai enfin arrangé l'appart comme il faut. Bah, elle est où, cette fameuse fresque? T'inquiète, je vais t'expliquer. Tadam! Certes, l'énergie créative circule peut-être un peu difficilement, mais au moins, on peut entrer dans l'appartement, marcher, aller s'asseoir au bureau pour travailler, et ça, c'est de la bonne archipuncture. Dans la vie, il y a des jours comme ça qui ne servent à rien, non? Si.
aujourd'hui, Tristan m'a invité à la piscine. Mais j'ai un gros problème. Je nage, comment dire, pas très très bien. En fait, je nage comme un fer à repasser. Ou comme une enclume, si vous préférez. Bref, j'ai peur d'être totalement ridicule. Du coup, j'hésite à y aller. Bon, évidemment, ça, c'était avant le coup de jarnac de maman. S'il te plaît, dis oui. Si j'ai bien compris, tu veux que je m'occupe d'Aurélie toute la journée? Elle s'appelle Amélie. Oui, enfin, ta copine lourdingue qui te suivait partout à la fac. Celle que tu surnommais relou-garou. Oui. La nana ringarde, timide, complexée, pas drôle et pire cuisinière que toi? Oui, elle est de passage en ville. J'ai pas pu lui dire non. J'aimerais bien rester avec elle, mais j'ai rendez-vous chez mon éditeur. Tu comprends? C'est vraiment important. Allez, ma louloute, quoi? Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Hein? Mais c'est du chantage, ça! Un mois de ménage complet, avec litière du chat à changer, cuvette à récurer et calcaire de la baignoire à gratter. C'est du vol, mais bon, d'accord. Tu parles? J'aurais dû demander plus, oui. Je vais me coltiner Amélie toute la journée au lieu d'aller à la piscine avec l'amour de ma vie. Hé hey. Salut. Salut. J'imagine que tu es Lou. La dernière fois que je t'ai vue, tu étais haute comme ça. Tu es une grande fille maintenant. C'est à cause de ce truc-là, là, la croissance? Tu as l'humour de ta mère. Au fait, elle n'est pas là? Ben non, elle est chez son éditeur. Je vois, sacré Gretzel. Hein? Gretzel? C'était son surnom à la fac. Moi, on m'appelait Relou-Garou. Ouais, je sais. C'est plutôt original. Je n'étais pas très rigolote. Et maintenant? Maintenant, j'ai un peu faim. Si on mangeait quelque chose, histoire de faire connaissance. Le frigo est carrément vide, on va à la pizzeria? Pas question, non. Si tu le permets, je vais nous préparer un petit frichti. Tada! Et voilà! Bon appétit! Alors? C'est délicieux, c'est juste surprenant. Il manque une touche de paprika. C'est une recette que j'ai apprise au Mexique. Vous êtes allée au Mexique? Tu peux me tutoyer. J'y ai vécu 2 ans, oui. J'étais reporter là-bas. Dis, après déjeuner, ça te dirait d'aller faire du shopping? Je n'ai plus rien à me mettre. Ok, si tu veux. Mais je connais pas de magasin qui vendent des vêtements. Oui, ringard, c'est ça? J'ai pas dit ça. Je te fais confiance pour le magasin, je m'adapterai. Allô? Coucou, c'est moi. Tout va bien? Désolée, je reviens tout de suite. Je survivrai. Amélie a préparé le déjeuner. Ma pauvre louloute, c'était pas trop infâme? Ben non, au contraire, elle fait plutôt bien la cuisine. Mieux que toi en tout cas. Ah, oui, et là on va aller chez SD et CC pour s'acheter des fringues. Ça se passe pas si mal alors? Bah en fait non, on s'entend même très bien. Et toi, dis-moi, ton rendez-vous, qu'est-ce que ça donne? Bah je survivrai, à plus. T'es prête? Go! Alors? Bah comment dire, en fait ça ne te va pas du tout. Toi, en revanche, tout te va. Ouais. Mais ce que je préfère, c'est créer ma propre mode. Quand j'ai du temps, je me fabrique des fringues. C'est dingue, ça. Moi, c'est pareil. C'est marrant. Tu corresponds pas du tout à la description qu'a faite ma mère. J'ai changé depuis la fac. Ta mère aussi a dû changer, non? Je sais pas comment elle était à la fac, mais je crois pas qu'elle ait beaucoup changé. Ne me dis pas qu'elle est toujours aussi fan de jeux vidéo. Bah, plus que jamais. Les jeux ont évolué, mais pas elle.
Et maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire après ce petit shopping? En fait, je devais aller à la piscine, mais... Je crois qu'il vaut mieux que j'y aille pas. Pourquoi? Ben, c'est bête, mais je nage pas très bien. Et j'ai peur que Tristan me trouve un peu godiche. Tristan? C'est ton petit ami? Ben... Ne t'inquiète pas, je vais te donner 2 ou 3 tuyaux et ton Tristan, il va carrément craquer. Tu crois? Fais-moi confiance. Mademoiselle, nous allons à la piscine. Auriez-vous des maillots de bain à nous montrer? Vous désirez? Voilà. En fait, je voudrais un renseignement. Les deux clientes qui viennent de partir, eh bien... Qu'est-ce qu'elles ont acheté? Bien, des maillots de bain. Pourquoi? Waouh! Tu plonges super bien! Tout est une question de confiance en soi. Allez, à toi! Je ne vois pas pourquoi tu avais peur. Hein? Tu te débrouilles très bien. Voyons, ne crie pas comme ça, jeune fille. Tu vas effrayer les tardigrades. Ah, c'est vous. Vous m'avez fait peur. Amélie, je te présente l'ancien. C'est un des locataires de notre immeuble. Amélie, une amie de ma mère. Vous, je vous ai vu nager. Où avez-vous appris? Dans la baie d'Along avec les barracudas? Non, en Afrique du Sud, au milieu des requins blancs. Ah, je leur ai parié. Méfiez-vous d'électroïdes, ils sont partout. Ne vous inquiétez pas, j'ai une dent en céramique. Bien joué, camarade. Au milieu des requins blancs, le pire, c'est que c'est vrai. Hé, hey, Lou. Salut, t'as eu mon message? Oui, tu as pu te libérer finalement? Pas vraiment en fait. Allez, viens, on va nager. Waouh! Tu plonges hyper bien! Salut, voisine! Ah, bonjour! Ne craignez rien, votre fille est protégée par une disciple du grand Matoutou! Oui, j'ai cru comprendre. Après la fac, j'ai appris d'autres langues. C'est grâce à ça que j'ai pu intégrer une ONG. C'est à cette époque que tu as écrit ton livre? Non, ça c'était plus tard, quand je vivais au Japon. C'était un essai sur l'origine du théâtre kabuki. Quand je pense que ma mère galère grave pour écrire le sien. Hé eh mmh. Ah, coucou. Hé, hey, ben... Gretzel. Salut Amélie. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je... Attendez, j'arrive. Mon rendez-vous chez mon éditeur est terminé. Voilà. Et vous, c'était sympa? Ah ouais, on revient tout juste de la piscine. Tristan a trouvé que je nageais super bien, grâce à Amélie. Ah oui, ça a dû te faire plaisir. Tu m'étonnes, elle est géniale, Amélie. Tu sais qu'elle danse le flamenco et qu'elle a passé 6 mois dans une lamasserie au Tibet? Sans blague. Et je suis sûre qu'elle a fait au moins 10 fois le tour du monde. Non, 4 fois seulement. Super. Eh bien, moi, je ne parle que le syllabe. J'ai écrit un roman que personne ne lira. Ma vie amoureuse est un fiasco. Et pour couronner le tout, d'après ma mère, j'ai raté une glorieuse carrière de postière à Mortebouze. Et maintenant, vous m'excuserez, mais je vais rentrer dans mon appartement minable pour prendre un bain. Bah, qu'est-ce qui lui prend? Je crois savoir.
Quand je dis qu'Amélie est super, ça veut pas dire que je te trouve pas super. Toi aussi, c'est juste que... Écoute, il y a longtemps que je voulais te dire quelque chose. Quand j'étais à la fac, je n'avais vraiment pas confiance en moi. C'est à cette époque que j'ai rencontré une fille que j'admirais beaucoup. Tellement que je n'arrêtais pas de lui coller au basque. Et ce n'était pas facile pour elle, tu vois, parce qu'elle élevait un enfant tout en faisant des petits boulots et en continuant ses études. Et pourtant, même si elle ne dormait plus pour pouvoir travailler et avoir ses diplômes, tout en s'occupant de son bébé, elle m'a aidée. Cette fille a toujours été un exemple pour moi. Sans elle, je ne serais jamais devenue la femme que je suis maintenant. J'ai toujours voulu la remercier pour m'avoir donné le courage d'affronter la vie. Alors voilà, c'est ce que je fais. Merci, Gretzel. Une petite partie? Tu sais, pour ça, je n'ai pas changé. Je suis toujours aussi nulle. Justement. D'accord, mais juste une partie, hein. T'as reçu la facture de mon portable? Non, c'est Aldo. Il a encore fait à côté de sa caisse et je sais pas pourquoi ça me bouleverse. Ben, c'est peut-être parce que tu nettoies des flaques d'urine 3 fois par jour depuis 6 mois. Oh, c'est pas ça. Tu devrais trouver un truc pour lui faire comprendre une bonne fois pour toutes qu'il faut faire dans la litière. Ouais, ok, je vais m'y coller. Bon, je te laisse, je suis en retard. Ciao! Pas devant, pas derrière, dedans, ok? Allez! Oui, bien, c'est un bon chat ça! Boulou boulou, tu vas y arriver! Boulou 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 boulou, continue! Tu peux le faire!
te dérange pas? Si, mais pour toi, j'ai toujours une petite minute. Vas-y, je t'écoute. Ben, j'ai une galère avec mon chat. Toi qui as un chien un peu original, tu pourrais peut-être me donner des conseils? Je connais un comportementaliste, une sorte de psychologue pour animaux. Il fait des miracles. Et tu as ses coordonnées? Évidemment. Bon, et si tu m'expliquais un peu la situation? Voilà. Il y a quelques semaines, j'ai eu une vision. La vision d'un pantalon. Je me suis levée au milieu de la nuit pour dessiner le patron. Et dès le lendemain matin, je l'ai fabriqué. Il était démentiel. Avec des pompons dans le bas et tout. Franchement, sans me vanter, j'étais super contente de moi. Mais quand je suis arrivée au collège... Regarde! Oh, ah! Hé, hey, Lou! On se déguise? C'est Mardi Gras ou quoi? Ils ont lâché les clowns, on dirait! Complètement grotesque, les pompons! Ça va? Non, j'en ai marre qu'on se moque tout le temps de mon look. J'ai une solution. Ça t'intéresse? Son idée, c'était de me traîner dans une boutique pour que je m'achète des fringues normales. Comme ça, plus personne ne se moquera de toi. Des fringues normales, moi, t'imagines? Bah, pour être tout à fait franc, non. Bref, Mina a quand même réussi à m'emmener faire du shopping. Tiens, ça c'est un petit haut normal. Je confirme, je le porte presque tous les jours et personne ne l'a jamais remarqué. Allez, essaie-le. Je sais pas... Hé, hey, Lou, tu rêves? Ton téléphone. Non? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas pas le croire. Un comportementaliste va venir examiner Roudoudou. Tu penses qu'il va réussir à résoudre ce problème de fuite? J'espère bien. Je te laisse, le voilà. Bonjour, je suis Jérôme, mais pas de chichi entre nous, vous pouvez m'appeler maître. Bonjour. Alors, où est votre petit Félix Sylvestris Catus? Votre chat. Ah, Hulk! Il fait un somme. Alors? Votre petit félidé présente un profil prognato récalcitrant, à tendance urino-anarchique, tout à fait bénin. En langage profane, cela signifie que ce petit gredin fait pipi à côté de sa caisse et ce de manière assidue. Oui, ça je sais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut trouver une solution, je ne le supporte plus. Eh bien, je vais tenter une dominantothérapie à déduction cognitive pour qu'il lâche ses tendances anarcho-désobéissantes. En langage profane, il faudra compter 75 euros. Ah oui, quand même. Il faut dire que je prends des risques. Comme vous faire uriner dessus, par exemple. Où puis-je me changer, s'il vous plaît? Dans la salle de bain. Ne craignez rien, c'est moi. Hein? Grâce à mon allure de chat dominant, votre bronne de nuit fait comprendre que ce n'est pas lui qui décide. Avec moi, il va la respecter, la laitière. Ce jour-là, Mina a dû me montrer, je sais pas moi, au moins une centaine de fringues. Et cette jupe-là, tu ne veux pas l'essayer? C'est notre modèle le plus normal. C'est bien simple, toutes les filles le portent. Écoutez, je sais pas. Bien! Prenez votre temps, surtout. Excuse-moi. Oui? Je suis Caroline Villeroy, l'assistante de John Pierre. John Pierre? Le John Pierre? Tout à fait. The créateur de mode. L'inventeur du sac à main jetable et du sous-vêtement réversible. Waouh! Dis-moi, trésor, d'où sortit cette merveille de pantalon avec les pompons coordonnés, là? C'est moi qui l'ai fait. Waouh, fabuleusement glam chic. Oh, vous savez, là, c'est juste un prototype. Si vous voulez, je peux vous en montrer un encore plus abouti. Encore plus original. Vraiment, je suis impatiente de voir ça. Voici ma carte. Rendez-vous ici demain à la même heure. Allez, ciao, ciao. Cool, ça prouve que tu as du talent. Attends, c'est pas fini. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je ne m'inquiète pas. Et maintenant, admirez le résultat.
bien. Il serait peut-être temps de songer à translater votre enveloppe charnelle dans un autre espace dimensionnel. En langage profane, ça veut dire « sortez de chez moi ». Attendez, il reste encore un espoir. Parfois, c'est en soignant le maître qu'on guérit l'animal. Parlez-moi un peu de votre petite enfance. J'adorais les bonbons. Surtout ceux enrobés de chocolat en forme de pompe à essence. Non, je voulais dire, parlez-moi de ce qui a pu vous traumatiser. Ah, tu te rends compte? John Pierre, c'est lui qui a habillé Sarah de Manhattan, t'imagines? Trop fort! Tu m'étonnes. Je ne voulais pas rater cette occasion. Il fallait que je me surpasse. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis surpassée. Le lendemain, je suis allée au rendez-vous et là, j'ai poireauté au moins une heure. Désolée, j'étais overbookée au showroom. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ben, c'est le nouveau modèle. Mais non, 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 c'est pas possible. C'est vraiment trop la loose. Ces fleurs-là, c'est grotesque. Je suis désolée, mais cette faute de goût est impardonnable. Hein? En fait, cette Caroline-là, elle m'a carrément volé mon modèle de pantalon à fleurs. Voilà pourquoi il est en vente chez Frims. Écoute, faut voir le bon côté des choses. Maintenant, tu sais que tu peux créer des fringues à la mode et c'est ça le plus important. Ouais. Allez, déprime pas, quoi. Bon, faut que je te laisse. C'est l'heure de mon cours de guitare. Bye. Ben, ok. À plus. Je ne me souviens plus très bien. J'avais peut-être 3 ou 4 ans. C'était à Mortebouze, chez mes parents. J'avais un chat. Il s'appelait Nexus 6. Un jour, pendant un repas de famille, le chat a fait pipi dans la cuisine. Je n'avais pas vu la flaque et j'ai glissé dedans. J'en avais partout sur ma robe. Ma mère a cru que je m'étais fait dessus. Elle m'a prise par la main et... elle m'a grondée. Elle m'a humiliée devant toute la famille. Tiens, c'est bizarre. Je me sens beaucoup mieux tout à coup. Les bornes. Et encore merci pour tout. Ce n'est rien. Je n'ai fait que mon boulot. Au revoir. On dirait que ça s'est bien passé avec le comportementaliste. Impec. Et toi, ça va? Je viens d'acheter du tissu. J'ai plein de coutures à faire. Mais c'est quoi ce délire? Maurice fait toujours à côté? Je sais, mais là, tu vois, je m'en fiche complètement. Hé, t'as vu ça? Il est franche. Ouais, trop ringard. Complètement grotesque. Super, Lou. Désormais, la bave de ces deux crapauds ne t'atteindra plus. Exact, les amis. Parce qu'en fait, vous savez quoi? J'ai compris un truc. Je m'en fiche d'être à la mode. La mode se démode, le style, jamais. Waouh, c'est bien dit, ça. C'est de toi? Non, de Coco Chanel. Et je suis d'accord avec elle.